Salut tout le monde, c'est Sadeco67, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Subnautica. Aujourd'hui je vais baisser un petit peu peut-être le son du jeu. Alors aujourd'hui donc c'est juste pour vous montrer vite fait mon simote. Voilà, donc alors normalement la qualité du son est pas top top, j'imagine. La qualité du son là, parce qu'il y a un petit... En fait le moteur du PC fait pas mal de son. Enfin le moteur, enfin bref, vous voyez pas. Le PC fait mal de bruit. Donc c'est parti, donc je vais pouvoir vous montrer vite fait le Cyclops, à quoi ça ressemble et tout. Bon alors je vais pas vous montrer là tout de suite, voilà, on va prendre tout depuis le début. Et ensuite on l'améliorera. Déjà pour que ceux qui ne l'aient pas puissent voir à quoi ressemble un Cyclope. Et pour vous montrer les améliorations, pour vous montrer le mien, enfin un petit peu, donc voilà. Donc on va regarder déjà au niveau de l'intérieur. Voilà. Ici on a l'intérieur du Cyclops, enfin l'extérieur. Voilà, donc rouge, oméga, je l'ai appelé, voilà. Et on rentre par ici. Voilà. Welcome aboard, Captain. All systems online. Donc le Cyclops, donc ce qui est bien, on peut vraiment faire beaucoup de choses avec le Cyclops, qui est donc un sous-marin, hein, comme vous l'avez sûrement marqué. Donc avec le Cyclops, on peut déjà stocker pas mal de choses, comme vous voyez juste ici, tous les stockages qu'on a là, donc ça c'est moi qui l'ai rajouté. Ensuite, donc ça c'est pour le simote et lui rajouter des trucs. Voilà. Donc ce truc, les fameux de créa pour pouvoir bien l'améliorer. Si ce serait en mode normal, c'est chiant, j'aurais peut-être pas pu autant l'améliorer. Donc ici on a le moteur et toutes les batteries. Un fabricateur d'amélioration. Et la poubelle juste ici. Voilà, par exemple, on monte ça. Et au bout d'un moment, ça disparaît. Donc ensuite. Voilà, là on a le simote. On peut voir qu'il est à 100% de batterie et à 100% de PV. On peut rentrer dedans comme ça. On va pas rentrer dedans. Voilà, un petit bug par contre. Et ensuite, on a un chargeur de batterie ici, un distributeur automatique juste là. Hop, voilà. Ou une machine à café. Et donc là on a le cockpit du Cyclope. Voilà, donc avec ici un petit endroit pour s'asseoir et pour contrôler un petit peu le Cyclope. Bref, on se lève là. Ici c'est là qu'on peut tout modifier. Là je peux éteindre les lumières, allumer les lumières extérieures, intérieures. Voilà. Et donc pour le contrôler, c'est comme ça. Voilà. Comme ça, on peut le contrôler tranquillement, activer un bouclier ou des trucs du genre comme ça. Et ensuite, ici. Enfin, ensuite, je voulais vous montrer quoi déjà. Ah voilà. Donc, avec le constructeur d'habitat, pas beaucoup de monde qui savent ça. C'est vrai que c'est pas très connu. Voilà. Effectivement, avec le constructeur d'habitat, on peut. Enfin, c'est pas très connu. Il n'y a pas grand monde qui le savait, et moi non plus, ça fait pas très longtemps que je le sais. Donc avec le constructeur d'habitat, on peut carrément construire dans le Cyclops. Donc, comme ça, voilà. Si je veux par exemple rajouter une armoire comme ça. Alors là, par exemple, là j'ai de la place. Et voilà. Et j'ai mon armoire, je peux donc stocker des trucs. Mais bon, voilà. Ah oui. Alors, à déconstruire et tout. Et voilà, en tout cas, j'espère que cette micro vidéo, qui est quand même assez rapide, je peux vous montrer le Cyclops, vous aura plu. On se retrouve bientôt pour de toutes nouvelles vidéos. Je me mets là pour la miniature. On se retrouve bientôt pour de toutes nouvelles vidéos. Ciao.